Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Comme d'habitude, la démo suivie des explications. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon école de magie gratuite www.tutomagie.com. Et sur ce, c'est très important, n'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu qui soutient mes vidéos et qui aide à référencer l'ensemble de mes vidéos. Et si vous aimez la magie et que vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à souscrire à Tutomagie Premium pour avoir accès à de nombreux tours de magie expliqués. Et sur ce, je vous laisse avec la démo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo de ce tour. Et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes. Et l'idée est la suivante en fait. Je vais normalement faire ce tour à un spectateur. Vu que je n'ai pas de spectateur, je vais jouer à la fois le rôle du magicien et du spectateur. Mais normalement, c'est le spectateur qui prend toutes les décisions. Donc en fait, je vais lui faire défiler des cartes. Et il va choisir visuellement, au lieu de faire au hasard à chaque fois les cartes face en bas, il fera face en l'air, il va choisir une carte qu'il voit. Il me dit celle-ci et on utilisera la carte qu'il a choisie. Donc là pour l'exemple, on va en prendre une plutôt jolie. On va prendre l'as de pique, c'est une jolie carte. On va quand même regarder s'il n'y a pas d'autres as ou si le jeu est bien. Oui, il y a les deux autres qui sont là. Bon, le jeu a l'air complet, hein, plus ou moins. Et le 3, ouais, le quatrième il y est aussi. Je vais pas toucher les cartes, on va les laisser juste ici comme ceci. Et normalement c'est le spectateur qui prend les cartes. On va lui demander de couper le jeu 3 fois, histoire 1, 2 et 3, au moins d'être sûr que ça soit vraiment très honnête. Et il garde le jeu bien en main devant lui. À ce moment là, on va lui expliquer quelque chose. Il faut savoir, en fait c'est une généralité qu'on dit. À ce qui paraît, la plupart des gens trouvent leur stabilité à la fois professionnelle et personnelle entre 20 et 30 ans. Et on va demander aux spectateurs donc de choisir un nombre entre 20 et 30 et qui déterminera pour lui quel est l'âge qui ce changement apparaît, on va dire. Donc là, le spectateur choisit un chiffre, un nombre plutôt entre 20 et 30, celui de son choix. Imaginons, pour l'exemple, imaginons qu'il prenne 26. Donc lui, il pense que c'est à 26 ans. On va tout simplement prendre 26. Et 26, c'est constitué d'un 2 et d'un 6. On va additionner ces deux chiffres. Donc 2 plus 6, ça fait 8. Et on va tout simplement soustraire ce résultat, donc 8, au nombre de départ. Donc à 26 qu'il avait choisi. Donc 26 moins 8, ça nous donne 18. Là, il récupère le jeu qui a été sur la table depuis le départ, hein, il n'a pas bougé, hein, depuis qu'il a coupé, le jeu n'a pas été manipulé. Hein. Il prend les cartes en main et il va, en fonction du nombre qu'il a choisi, distribuer donc le résultat final. Donc ici 18 et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La 18e, ça serait fort après tout ça, que ce soit la carte choisie par le spectateur, c'est bien le cas, alors que toutes les cartes peuvent être laissées à l'examen, il n'y a absolument rien à voir. La carte du spectateur est bien celle à la position, après tous les choix visuels, etc. C'est bien la carte qu'il a choisie. C'est parti pour les explications. Alors pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes entièrement normal. L'idéal, c'est que le joker soit aussi présent dans le jeu. Donc voilà, ça va nous servir pour une carte repère. Je vais vous montrer pourquoi. Mais on pourrait utiliser une autre carte, peu importe. Donc voilà, vous sortez le joker du jeu. Et en fait, le joker, vous allez le positionner à partir du dessus en 17e position. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. À la 17e place, on met le joker et on repose le jeu et on est prêt pour commencer le tour. Vous récupérez le jeu et là vous expliquez. Alors vous pouvez faire un mélange de la partie inférieure pour pas casser le classement. Donc là, coupe pivot comme ceci, hop, on bascule et on peut mélanger la partie inférieure. De cette manière, on a l'impression de mélanger toutes les cartes, sauf la partie inférieure est mélangée, le haut est toujours intact. Donc notre carte, notre joker est toujours en 17e position. Là, on dit au spectateur qu'il va choisir une carte. Alors au lieu de le faire au hasard comme ceci, face cachée, on va le faire face en l'air. Et en fait, on va se débrouiller pour que le spectateur choisisse une carte qui se trouve avant notre carte joker qui est en 17e position. Donc c'est facile au niveau de l'étalement. Vous voyez, ça me laisse la possibilité d'aller jusque là, donc voilà, c'est à moi de m'arranger, de faire en sorte de faire juste comme ceci. Voilà, il me citera la carte de son choix. Vraiment celle de son choix, il peut choisir n'importe quelle carte. L'essentiel, c'est qu'elles soient parmi les cartes en fait inférieures du jeu, supérieures quand elles sont face en l'air. Donc imaginons que je fais comme ceci un ruban et le spectateur m'arrête sur le 7 de trèfle. Là, ce que je fais, je vais faire la technique du cull. Je vais culler la carte pour la contrôler en fait, pour la contrôler sous l'étalement. Donc si vous ne connaissez pas cette technique, vous ne la maîtrisez pas, je vous invite à vous rendre sur mon site tutomagie.com. Vous allez dans la rubrique des contrôles de cartes, c'est gratuit, dans les contrôles de cartes, et vous choisissez le cull, vous verrez, c'est le contrôle sous l'étalement. Ça va vous permettre de voir en détail, plus en détail cette technique. Ici, je vais passer assez rapidement. Donc, on a dit que le spectateur avait choisi le 7 de trèfle. Donc, en fait, j'étape comme ceci. Imaginons une 17 de trèfle. Voilà, on dit très bien. Et dans le prétexte d'aller voir si le jeu est complet ou s'il n'y a pas d'autres cartes identiques dans le jeu, je vais tout simplement queuler la carte. Donc en fait, en venant ici, je vais avec les doigts de la main droite la tirer et la faire passer sous les cartes. Donc là, je ne vous montre pas en détail comment on procède à la technique, c'est pour ça que je vous renvoie sur le site pour la voir en détail. Là, je peux continuer à faire passer des cartes. Et en fait, je vais positionner cette carte, la réinsérer juste devant mon joker. Donc quand j'arrive au joker, hop, je me repositionne la carte ici, donc juste devant, tac, et je fais passer encore, comme ceci, et je régalise. Donc en faisant ça, j'ai queulé et contrôlé la carte en 18e position. Donc sans que le spectateur puisse s'en rendre compte, puisque ça va très vite, hein, juste surtout quand on dit oh, on va bien regarder que les cartes soient toutes différentes, hop, je queule, je contrôle, je repositionne, c'est invisible, ça passe très bien. Je peux poser le jeu sur la table, le tendre au spectateur. Ce dernier est invité à couper le jeu 3 fois. En fait, on va réaliser une fausse coupe. Il prend le jeu en main, il coupe un premier paquet qu'il met à gauche, un deuxième paquet au centre et un troisième paquet ici. Et ensuite, vous lui expliquez qu'il a coupé où elle a voulu. Et là, il va recompléter la coupe en partant de gauche vers la droite. De cette façon, ça ne coupe absolument pas le jeu. Et le jeu est toujours dans le même ordre qu'il était juste avant. C'est une fausse coupe qui est très bonne parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir vraiment coupé le jeu. À ce moment là, vous lui laissez le jeu face à lui, donc plus personne touche le jeu, et vous allez le forcer en fait à aller au chiffre, au nombre 18 en fait. Comment? Donc le prétexte c'est de lui faire choisir un nombre entre 20 et 30, peu importe le nombre qu'il choisira, l'essentiel que ça soit entre 20 et 30. Vous expliquez l'histoire de c'est l'âge où les gens prennent, changent de leur façon de vivre, etc., se retrouvent, etc. Ça c'est vous qui voyez au niveau du texte. Peu importe le nombre qu'il choisira entre 20 et 30, si vous séparez ce nombre, vous le décortiquez, et que vous soustrayez, vous décortiquez le nombre, imaginez on prend 24, on fait 2 plus 4, donc les 24, 2 plus 4, ça fait 6, ça on le soustrait à 24, on tombera sur 18. Et ça, ça va fonctionner pour tous les nombres, compris entre 20 et 30. Donc voilà, c'est un forçage, ça amené avec un bon texte, ça passe très bien. Donc imaginons que le spectateur choisisse, je sais pas moi, 23. On prend 2 et 3, ça nous fait 5. Donc 5, on le retire à 23, donc 23 moins 5. On tombe quand même sur 18 à chaque fois. Là, le spectateur récupère le jeu et compte 18 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et la 18e, ça sera la carte choisie. Ça fonctionne, ça match, alors que le spectateur a choisi sa carte visuellement. Hein, vous ne l'avez pas forcé ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un très bon effet, très bien réalisé. Ça peut surprendre qu'à chaque fois le nombre qu'il a choisi influence sur le fait que la carte se trouve à cette position alors qu'il a coupé le jeu, etc. Voilà, il faut amener ça de façon naturelle et franchement on a un joli impact. C'est pas tout à fait automatique, hein, je vous l'accorde, c'est pas un tour très simple au niveau des manipulations. Il y a quand même un call à réaliser qui peut freiner certains, mais voilà, travaillez-le, n'hésitez pas à vous rendre sur l'école pour apprendre ce petit contrôle. Il peut servir dans pas mal de situations, hein, et pour d'autres choses en même temps. Donc voilà, c'est un tour très bon à travailler, qui fait à la fois travailler la présentation et en même temps un petit peu de côté manipulation. Voilà.